Kazabda Usigo Ton Yabramba Aniton Samdamba Nyam Yeti Ton Fanonga Burkina Faso Paraba Nyam Yeti Ton Fanonga Burkina. Nous sommes ici une association de femmes qui valorise les déchets plastiques. Et notre centre s'appelle le Centre de valorisation des déchets plastiques. Nous sommes des femmes qui travaillons, qui faisons une pierre presque trois coups. Nous balayons la ville. Nous luttons contre la pauvreté dans nos activités ici. Et en même temps qu'aujourd'hui, les gens savent qu'il y a quelque chose qui est déjà fait dans le problème des déchets plastiques. È stato un progetto voluto dalla città di Ouagadougou, realizzato grazie alle conoscenze e l'esperienza dell'LVR, ma che ha coinvolto tutta una rete di attori, tra cui la regione Piemonte, sia dal punto di vista finanziario, ma anche mandando giù delle tecnologie o delle competenze del nostro territorio italiano, sono servite molto a gestire e affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti. Nous constatons que il y a des améliorations, il y a des changements dans les comportements et les habitudes des populations. Petit à petit, on constate que les habitations qui sont un peu au centre et sont plus propres que les habitations périphériques. Nous collectons les déchets de porte en porte et nous les amenons dans les centres de collecte. Nos collectrices vont trois jours par semaine pour collecter les déchets triés dans les différents ménages. Le lundi, par exemple, c'est les déchets verts qu'elles partent ramasser. Ces déchets triés sont ramenés directement dans nos centres de tri. Le mardi, c'est le vrac, ce que nous trouvons non valorisable. Et le mercredi, c'est les papiers carton qu'elles enlèvent. Oh, 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 oh. Ouagadougou è una città pulita, ha vinto più volte il premio come città più pulita del continente africano. Dal punto di vista della gestione dei rifiuti è amministrata bene, malgrado i pochi mezzi. Se voi pensate che Ouagadougou smaltisce e tratta i propri rifiuti con soli 5 camion, fate voi un po' il riferimento con una città europea che ne avrà almeno 100 volte di camion che girano per lo stesso volume di rifiuti e di popolazione. Ici au Burkina, nous constatons que la gestion des déchets
est un domaine confié de façon générale aux femmes. Il y a aussi quelques hommes qui les appuient, mais bon, ils sont peut-être peu nombreux par rapport aux femmes. Et dans d'autres pays, comme à Conakry, en Guinée, et comme par exemple au Bénin, et dans d'autres pays, ce sont les hommes qui s'occupent de la gestion des déchets. Au début du projet, les femmes avaient un salaire minimum de 10 000 francs par mois, c'est-à-dire à peu près 15 euros. Et maintenant, avec la fin du projet et la prise en charge des femmes par la commune, elles ont un minimum de 15 000 francs par mois, c'est-à-dire à peu près 22 euros. Et nous pensons qu'à la longue, elles aussi, elles auront un salaire minimum d'un ouvrier du Burkina qui tourne autour de 30 000 francs, c'est-à-dire aux alentours de 45 euros. Burkina Faso è considerato uno dei paesi più poveri del mondo. Detto ciò, secondo me, ha delle ricchezze non monetarie, ma culturali, sociali, che attualmente non fanno parte degli indicatori a carattere economico, ma che secondo me comunque rappresentano una ricchezza per il paese. Anche andando in giro per la strada di Ouagadougou o nelle campagne si avverte naturalmente il senso di povertà, ma anche una grossa dignità e di voler fare il possibile per mantenere il proprio ambiente sano e il contesto in cui si vive dignitoso, cosa che non si trova in tutti i popoli dell'Africa purtroppo. E questa cosa viene riconosciuta dalla maggior parte degli africani che definiscono il popolo burkinabè uno dei più integri di tutto il continente.
surtout il y a même sauvrier. On y est sauvé le gouverneur ça va. Comme ça on va la carte quand tu tires voilà un bébé non. On sauvé les galiou ma. On pile la table alors. Mam si da mana kalam yumpila yi botoni bahmam dit mam da da biga poka la mam si da ya gan ngam pam mam si da anku la yi la la kene li mani ke jidam na yet jidam da fa ke me fasi aha kuma yi botoni dit am da biga poka ku da han yiwa ta kem sabaton pa ma yi sa ka poka titon bon ta baba Ini orang ramai yang tanah ini memang tu memang yang memang panai orang rezim ni bapa ye. Tapi yang saya awet orang memang panai rezim ni hendak kau memang hisa titun kau makam nanti titun ah tadi memang hisa. Wen la tu mukang aham pakai inga. Jadi sembari kau madam sila ramdi kau tu muda yuri entam kau. Yang kita memang mal bilu bilu fu. Empat orang rezim fu kau awet orang ni. Ini hendak kembali wanita hendak kembali dua. Naya non luti salamat tasawu. Lela yeye tige ligre bilu bilu fui kyang hali ame kyang yoyante pa mama nzima no biga mela haya mukte ame haya toto asida kabe pani zaka hanki tini yasi hapa ame urata manu zaka la urata riba ringi tla na ya uto no Abang kata si mam dah ingat dalam tu, si mahu ayuh matang bu. Juli kata si sak tu muka dah semua. Ah, sak tu muka dah. Inilah tu untuk sila. Sak tu muka. Ada bahaya. Ini pun tak umum ni, pepam dia kau le. Ayah, bapak mesti. Antuk, le muka tu mampah mana? Ya, ambang ya. Apa pun dah orang kau. Jom. Ini memang besar kong kawan di bila. Kahasan moto mana kini tu malam ni, dongum mana? Ambil yang paten lezumi, sura biar daya usuk, ringki tila wira sang, ya tu tu lo. Tawala hana ti mana kau tu ni, bagi engkau tu ni tawala tuhli tuhlo kubi kisaksen. Data memham pam bangra, tuan kumpulan tuan pam semua pam boleh gidi. Bim di kiri wala foto, dalam kiri mobil wasi kiri muarado, dalam kuar. Dalam bangra hampir saya kau tu faham dat lebra. Bahu hampam semua me boleh gidi nama mana mami. Hari ini kiri mawa, datang kalau mempam bangra bilu pun pasi. Ini pihak yang kena dikisiwang kotor. Eh, lambat dia tu. Kau ikut tak? Ya, mana bata. Kira-kira kau akan kau benar. Kau akan. 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 Kau akan.
Stiamo andando a cercare una farmacia di guardia aperta per prendere una medicina contro la malaria perché mio figlio non sta molto bene da ieri. E la malaria resta comunque sia una delle prime cause di morte infantile di questi paesi. È endemica e soprattutto in questo periodo, la stagione delle piogge, dove c'è l'acqua per le strade, quindi sono molte pozzanghere e le zanzare che prolificano dappertutto. Quindi è il periodo più pericoloso da questo punto di vista. La prendi? Io adesso vado da Usman un attimo, perché non sta bene neanche lui, la malaria anche lui. Torno e poi andiamo via, ok? Andiamo, 10 minuti andiamo. Matteo, 10 minuti torno, ok? Ok. Va bene? Ciao. Negli interventi ambientali che proponiamo noi, in particolare quello del recupero della plastica, ci sono diverse ricadute. Innanzitutto è un progetto che crea lavoro, nel senso che all'unità di valorizzazione ci lavorano in media 20, 30, 40 donne in base e in proporzione agli ordini che ricevono di acquisto della plastica. C'è una rete di raccoglitori che noi abbiamo stimato in Burkina Faso sui 1200-1500 persone che o in modo sporadico o in modo più organizzato e continuativo portano la plastica per venderla. Le centre a démarré ses activités en 2005 et jusqu'à présent, les femmes continuent à la fin du projet à mener elles-mêmes les activités que la Elvia en tout cas menait pendant le projet, c'est-à-dire elles sont arrivées à un niveau où quand même elles se gèrent. Et à ce jour, la mairie qui a actuellement la responsabilité du centre. C'est une prise en charge en quelque sorte. Ça dépend par exemple de moi. Ou si ça marche bien,
Les femmes peuvent avoir 30 000 francs chacune. Mais si ça ne va pas, c'est une association, bien sûr. Donc, nous partageons ce que nous gagnons. Des fois 20 000 francs, des fois 15 000 francs, des fois même nous n'avons pas. Mais on travaille parce que nous aimons ce que nous faisons ici. À l'ouverture, nous étions 30 femmes. C'est la politique du maire de l'arrondissement pour que chaque femme qui vient d'un secteur puisse sensibiliser toutes les femmes de ce secteur-là, voilà, par rapport à l'impact des déchets plastiques sur la nature. Donc, quand nous rentrons à la maison, nous travaillons comme si de rien n'était, mais on garde toujours la conscience que le déchet plastique est utilisé pour faire d'autres objets. Nous ne devons pas les jeter au hasard, nous devons prendre, les récupérer et les envoyer ici. La mairie centrale a choisi d'aider les femmes parce que la pauvreté justement au Burkina a un visage féminin, si bien que le maire a choisi d'aider les femmes. Et en luttant contre la pauvreté, le maire a voulu tout le monde travailler avec les femmes. Parce que quand les femmes gagnent, les enfants gagnent, les maris aussi gagnent. C'est pourquoi on a préféré choisir des femmes pour venir travailler dans ce centre-là. Songe taba
13 encore. Jean-Paul. C'est qui? Kabol Céline. 13. C'est toujours la même personne. Oui, nous sommes en train de peser le sachet pour revendre aux Maliens. Mais les sachets, on ne les lave pas, on ne les recycle pas, on paye. On revend aux Maliens qui les transportent au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal pour être transformés en bâches noires. Parmi les déchets qui sont convoyés au centre, tous ne sont pas valorisables. Il y a des déchets qui sont dégradés par le soleil et sont triés et convoyés à la décharge. Et ensuite, les femmes les lavent et les broient. Trasformano il rifiuto in materia prima che poi è acquistata dalle imprese, le società del settore, poi con questa materia prima producono di fatto altri prodotti come i cestini, delle fosse settiche, i kit scolastici e altri prodotti che poi vengono commercializzati sul mercato. Fabriquons les règles, les équerres et tout ça avec ces granulés. Ce sont les vieux bidons. On peut faire plusieurs couleurs en fonction des granulés que nous achetons. Ça ne se casse pas. Donc, ça permet aux parents de garder ça 2, 3 ans, 4 ans et c'est très économique. Et nous pouvons faire des embouts pour les tables, des embouts pour les chaises. Donc on peut faire des choses très utiles avec. Qu'est-ce que vous pouvez dessiner en sachet? Oui, toi? Une maison. Une maison en sachet. C'est vrai? Oui, qu'est-ce que tu peux dessiner avec un sachet? Monsieur. Oui? Une règle. Une règle, très bien. On peut dessiner une règle. Vous pouvez dessiner une règle là? Oui. Allez, toi, qu'est-ce que tu peux dessiner avec un sachet? Oui? Je vais dessiner une poubelle. Une poubelle. D'accord, dessine une poubelle. Toi? La plastique. Toi en plastique, c'est bien. Oui? Une règle, oui. I bambini capiscono bene e soprattutto in un paese in cui c'è un altissimo tasso di alfabetizzazione e dove i genitori molto spesso non sono andati a scuola, i bambini hanno anche un valore di sensibilizzazione, nel senso che ritornando nelle loro case raccontano quello che hanno visto e fanno involontariamente della sensibilizzazione nelle loro famiglie e dei loro genitori. È bene precisare che queste dinamiche sono delle dinamiche sul lungo periodo, non sono dei progetti corti, ma sono dei processi che durano e possono prendere diversi anni a prendere forma e dei contenuti profondi e hanno anche come ambizione quella di affrontare localmente dei problemi che oggi hanno una dimensione globale.